Est-ce que vous saviez que ça n'a jamais été dans l'intention de Dieu que les gentils soient sous la loi de l'Ancien Testament? C'est une déclaration très forte, mais c'est absolument vrai. C'est dans la Bible. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer ma série sur la vraie nature de Dieu et nous sommes en train d'approcher la fin de cet enseignement. Laissez-moi juste partager quelques versets avec vous. Nous en parlons sur le fait que Dieu est un Dieu bon et que ce n'est pas vraiment la nature de Dieu que de punir et de nous détester à cause de notre péché. Maintenant, laissez-moi juste vous dire qu'il va y avoir des gens que cela contrarie parce qu'ils se disent « Et alors, qu'en est-il de cela ?» Et alors Dieu, quand il a fait cela et qu'il a frappé les gens de la lèpre et qu'il a dit « Si vous faites cela, je vais vous frapper de malédiction, etc. » Tous ces exemples que vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, en un des points que j'ai souligné, Romains 5, 13 dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le Seigneur n'imputait pas aux gens leur péché jusqu'au temps de Moïse, et ensuite la loi n'a fonctionné que du temps de Moïse jusqu'à Christ, et puis la loi a cessé. Nous ne vivons pas sous la loi. Donc, il s'est passé approximativement 6000 ans depuis la chute d'Adam. Les 2000 premières années, Dieu n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Puis il y a eu 2000 ans où la loi a régné et Dieu imputait aux hommes leurs péchés. Et puis il y a eu une autre période de 2000 ans où Dieu ne leur a pas imputé leurs péchés. Dieu n'est ni un Dieu de vengeance, ni un Dieu de colère. Maintenant, il possède ces choses, mais il réserve cela à ses ennemis. Et sa volonté était d'agir avec miséricorde envers la race humaine, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas donné la loi tout de suite. La seule raison pour laquelle il a donné la loi, et ceci est une paraphrase de Galates chapitre 3, la loi a été donnée à cause de nos transgressions pour nous clouer le bec jusqu'à ce que le Seigneur vienne apporter la rédemption. Le Seigneur n'a jamais vraiment voulu imputer aux hommes leurs péchés. Il voulait imputer nos péchés à son Fils, mais avant que Jésus puisse venir. Le péché était en train de se multiplier et d'infecter la race humaine à un tel point que le plan du Seigneur aurait été détruit. Il ne se serait jamais accompli si Dieu n'avait pas fait quelque chose pour limiter la progression du péché. Donc, il a utilisé la peur du châtiment, la peur de la colère de Dieu, pour littéralement faire peur au diable afin qu'il laisse les gens. Et cela a limité le nombre de péchés qu'ils commettaient, mais le péché qu'ils avaient commis a commencé à les dominer et à les détruire. Vous savez, je pourrais passer beaucoup de temps à expliquer cela. Laissez-moi simplement essayer d'illustrer ceci très rapidement en me servant de ma vie personnelle. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Nous étions très religieux et nous ne tondions pas l'herbe le dimanche parce que c'était un travail. On ne faisait aucun travail, quel que soit le dimanche. Vous savez, nous étions plutôt stricts. Et j'étais certainement plus strict que n'importe qui d'autre. Mon frère et ma sœur ont grandi dans le même foyer, cependant cela ne semblait pas les avoir affectés au même point que moi. Ils se sont écartés du droit chemin pour un temps, mais pour je ne sais quelle raison, j'ai pris cela à cœur. J'étais super, super, super strict. Je croyais que je devais avoir une vie pieuse et ou que sans cela, Dieu allait m'avoir. Et donc, à cause de cela, vous savez, je vais avoir 57 ans. Je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé une cigarette, je n'ai jamais blasphémé de toute ma vie. Et donc, vous savez, cela m'a gardé sur le droit chemin et m'a empêché d'expérimenter, de faire des choses que les autres gens ont fait. Certaines personnes vont penser, eh bien, c'est merveilleux. Et voici quelques-uns des effets négatifs. Je ne fais pas cela par amour pour le Seigneur, par gratitude pour ce qu'il avait fait pour moi, mais je le faisais par peur du Seigneur, par peur d'être puni et rejeté si je ne le faisais pas. Et pour le prouver, comme j'étais un gamin, j'avais des cauchemars récurrents, au moins deux fois par an, à peu près tous les six mois ou quelque chose comme ça, je rêvais que j'avais fumé une cigarette. Je me faisais prendre sur le fait, il me livrait à la police, et la police me livrait à ma mère, ce qui était pire que la police. Et puis je me retrouvais dans ce rêve en enfer, en train de brûler en enfer parce que j'avais fumé une cigarette. Maintenant, je sais que cela fait rire certains d'entre vous et qu'ils pensent, mais c'est ridicule.
Mais vous savez, c'est ce que fait la religion, et elle a mis assez de peur en moi pour que je ne touche jamais une cigarette. Mais en même temps, j'étais probablement plus rempli de culpabilité, et j'avais certainement un sentiment d'indignité plus grand que plusieurs d'entre vous qui ont non seulement fumé des cigarettes, mais peut-être aussi du cannabis. Vous avez probablement commis des immoralités sexuelles, fait toutes sortes de choses que je n'ai jamais faites, et vous ne vous êtes probablement jamais senti aussi condamné et coupable que moi. Il m'est arrivé de voir, vous savez, des blasphèmes qu'on avait écrit quelque part sur les murs des toilettes publiques. Et je me sentais condamné pour cela pendant une semaine. Il me fallait une semaine pour sentir que Dieu m'avait pardonné pour avoir lu cela. Maintenant, certains d'entre vous pensent, eh bien, vous étiez un gamin perturbé. Eh bien, c'était à cause de la religion. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. La religion, quand vous mettez les gens dans la peur en leur disant que si tu fais ça, tu vas être jugé, vous pouvez gagner en conformité. Mais vous allez vous sentir plus coupable pour vos manquements, et nous avons tous des manquements. Peut-être que je n'ai pas fumé, ni bu, ni fait toutes ces choses, mais vous savez, j'ai péché, j'ai failli, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, et quand je les ai faites, toute cette condamnation m'est tombée dessus, et c'était destructeur. C'est pour cela que le Seigneur ne voulait pas donner la loi. Pour commencer, il aurait pu dire à Adam et Ève combien ils étaient pécheurs. Mais il a attendu parce qu'il ne voulait pas qu'Adam et Ève sachent combien ils étaient mauvais. Il ne voulait pas qu'ils sachent qu'ils avaient plongé la race humaine dans une telle, je veux dire, décadence, que cela allait coûter la vie à des milliards de personnes. Dieu ne voulait pas qu'ils sachent tout cela. Il aurait pu être incapable de le gérer. Dieu était disposé à les aimer, indépendamment de leur performance. Mais parce qu'il ne punissait pas le péché et qu'il ne manifestait pas sa colère contre le péché, les gens ont commencé à se comparer les uns aux autres et à penser, eh bien, Caïn, on s'en est sorti avec le meurtre. Les mecs s'en est sorti avec le meurtre. Ils ont commencé à tuer impunément. Cela n'avait aucune importance puisque Dieu n'avait puni personne. Ils pensaient que tout allait bien. Ils ont commencé à vivre dans l'immoralité sexuelle. Je veux dire, dans toutes sortes de perversions. Et donc, finalement, Dieu a dû donner la loi pour limiter la quantité des péchés, même si cela allait avoir des effets secondaires qui seraient très nuisibles. Toute la culpabilité et la condamnation qui sont venues avec la loi ont été préjudiciables à une relation saine avec Dieu. Elles sont préjudiciables à notre propre compréhension de qui est Dieu. Cela a vraiment été une mauvaise représentation. Dieu ne voulait pas retenir nos péchés contre nous et nous punir de la façon dont cela est montré dans la loi de l'Ancien Testament. S'il avait voulu, il aurait pu donner la loi à Adam et Ève. Il s'est freiné lui-même pendant 2000 ans parce que sa nature, c'est l'amour. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Il ne possède pas seulement l'amour. Ce n'est pas simplement une des choses de Dieu. C'est la nature profonde de Dieu. Dieu nous aime et Dieu n'a jamais voulu nous imputer nos péchés. Il voulait imputer nos péchés à son Fils. Mais avant que son Fils puisse être là, il devait y avoir une limitation mise sur le péché où il n'y avait plus une seule vierge pour permettre à Jésus de naître. Et donc Dieu a donné la loi, mais ce n'était pas sa vraie nature. Ce n'était pas son premier choix. C'est une chose, dans un certain sens, qu'il a été forcé de faire. Ceux d'entre vous qui sont parents savent de quoi il s'agit. Nous pouvons faire une comparaison. Vous aimez vos gamins. Vous ne voulez pas faire quoi que ce soit, mais vous leur avez dit qu'ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. Et finalement, si vous ne leur fixez pas de limite, ils font aller se faire tuer, ou quelqu'un d'autre va les tuer, détruire leur vie. Et quelquefois, vous mettez en garde vos enfants et vous dites, tu ne fais pas ça. Si tu fais ça, je vais faire ça. Vous ne voulez pas les punir. Vous ne voulez pas les enfermer. Mais ils peuvent vous amener au point où, honnêtement, pour leur bien, vous devez faire quelque chose. Quand vous donnez la fessée à vos gamins, si vous le faites de la bonne manière, vous ne le faites pas parce que vous êtes en colère pour eux, mais parce que vous les aimez. Et ce petit mal va les aider à résister à quelque chose qui pourrait finalement leur faire plus de mal, beaucoup plus de mal. Et donc, vous savez, vous avez déjà entendu parler des parents dire « Cette fessée va me faire plus de mal qu'à toi. » Et le gamin se dit « Oui, d'accord. » Mais la vérité est que si vous les aimez réellement de la même façon que Dieu nous aime, cela est vrai. Dieu n'a jamais voulu donner libre cours à sa colère et à introduire la loi et nous imputer et retenir nos péchés contre nous. Ce n'était pas son intention originelle. Il a dû faire cela comme son second choix
parce que le péché s'était multiplié. Mais c'était seulement jusqu'à ce que Jésus vienne. Laissez-moi parler avec vous maintenant de quelques versets sur cela. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 12, c'est Jésus qui parle et qui dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, cela dit jusqu'à Jean-Baptiste. » Maintenant, si les mots signifient quelque chose, ce qui est le cas, Jésus a dit que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean-Baptiste. Cela implique que depuis Jean-Baptiste, et nous sommes 2000 ans après Jean-Baptiste, la loi et les prophètes ne sont pas pour nous aujourd'hui. Voici un autre verset qui va avec cela, et c'est dans Jean chapitre 1 et verset 17. Il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela dit clairement que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée jusqu'au temps de Christ, et maintenant que Christ est venu, Christ a amené la grâce et la vérité. Laissez-moi vous donner un autre exemple dans le livre des Galates. J'ai déjà fait référence à quelques-uns de ces passages, mais dans Galates, chapitre 3 et verset 22, il est dit « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Avant que la foi vienne, avant que la foi en Jésus vienne, nous étions sous la loi. Donc je lisais dans Galates chapitre 3 où il est dit « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. » Ce verset dit que la loi était seulement jusqu'à ce que la postérité vienne pour ceux à qui la promesse avait été faite. Et dans Galates, chapitre 3, verset 16, il est dit que la postérité, c'était Christ. Il y a aussi un verset ici qui va dans le même sens que celui-ci, au verset 19. Il est dit, « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite, et cela parle de Jésus. » Tous ces versets disent que la loi était seulement temporaire. C'était seulement jusqu'à Jésus. Et donc, nous avons déjà montré dans Romains 5, 13, que la loi était rajoutée, ce n'était pas sa première façon d'agir avec les gens. Il a traité les gens avec l'innocence, vous voyez, en ne leur imputant pas leurs péchés pendant les 2000 premières années. Puis la loi a donné pour une période de 2000 ans, et c'était seulement jusqu'à Jésus vienne. Et maintenant que Jésus est venu, Dieu, une fois encore, ne nous traite pas selon la loi. Il ne nous impute pas nos péchés, la loi était seulement temporaire. Laissez-moi lire quelques autres versets sur cela qui disent la même chose. Au verset 23, il est dit, « Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Comment peut-on passer à côté de cela? La loi était comme un pédagogue pour nous informer jusqu'à ce que Christ vienne. Maintenant que Christ est venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est exactement ce que cela dit. J'ai déjà utilisé ces versets dans Hébreux, chapitre 7, chapitre 8 et 9, qui disent que la loi était seulement temporaire. Maintenant, elle est prête à disparaître. Il y a vraiment une annihilation, ce qui signifie une complète destruction de la loi. Romains chapitre 3, verset 19, dit que la loi a été donnée à ceux qui étaient sous la loi, ce qui implique que pas tout le monde était sous la loi. La loi n'était pas faite pour les gentils, mais initialement. Maintenant, la raison pour laquelle tout cela est très important, c'est parce qu'une fois encore, toute cette confusion, toute cette mauvaise représentation concernant ce qu'est Dieu vient de la loi. Parce que sous la loi, Dieu a révélé une dureté et une colère qui n'ont jamais été manifestés ni
avant la loi, ni après la loi. Et donc, c'est simplement cette période de 2000 ans au cours de laquelle Dieu a traité les gens sous la loi qui a donné l'impression que Dieu était un Dieu qui voulait anéantir tous les pécheurs. Et cela était vraiment une mauvaise compréhension de ce pourquoi il l'a fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il détestait vraiment le pécheur. Il détestait vraiment le péché. Et il utilisait simplement la peur du châtiment comme motivation pour amener à ne plus céder ni au péché, ni à l'auteur du péché, le diable. Et quand il a fait cela, et cela a donné une image qui était fausse. Vous savez, je suis sûr qu'il y a des enfants qui ont été corrigés de la mauvaise façon et que leurs parents ont utilisé la discipline pour laisser libre cours à leur propre frustration et certainement qu'il y a des maltraitances sur enfants et je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais il y a un grand nombre de parents qui corrigent leurs enfants parce qu'ils aiment vraiment leurs enfants et qu'ils essayent de les traiter de la bonne façon. Mais vous savez, à l'époque dans laquelle nous vivons, tout est vraiment mal interprété. En fait, c'est un signe des derniers temps. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 5 qui dit que dans la fin des temps, ils appelleront le bien mal et le mal bien. C'est un des signes des derniers temps et nous sommes en train de vivre cela. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gamins qui ont l'impression qu'ils ont été maltraités par leurs parents et que leurs parents les détestaient, etc. Alors que la vérité, c'est que leurs parents les aimaient et qu'ils ont mal compris et mal interprété cela. Vous savez, si vous aviez qualifié il y a 50 ans de maltraitance sur enfants, ce qu'ils appellent aujourd'hui sur enfants maintenant, je vous garantis que quand j'étais en train de grandir, j'aurais pu appeler le 911 pour dénoncer mes parents. Et si le 911 avait existé à cette époque, et mes parents auraient été mis en prison et les clés auraient été jetées. Et cependant, je vous garantis que je savais que mes parents me corrigeaient parce qu'ils m'aimaient. Et il y avait des fois où ils l'ont même fait parce qu'ils étaient en colère, ce qui n'était probablement pas la meilleure façon, mais je les avais poussés, ils étaient en colère, et ils l'ont fait parce qu'ils m'aimaient, ce n'était pas de la maltraitance, ils le faisaient pour m'aider. Et vous savez, j'ai appris certaines choses à travers cela. Je vous dis que nous sommes tellement susceptibles et incapables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal aujourd'hui, que ce n'est même pas bizarre. Mais je dis que de la même façon qu'on a menti aux enfants, si vos parents vous ont mis une fessée, c'est parce qu'ils ne vous aimaient pas, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils vous aimaient qu'ils vous ont mis une fessée, mais si vous dites ces choses à des gens pendant assez longtemps, vous pouvez les amener au point où ils voient toutes ces choses comme de la maltraitance, et ils détestent les gens. Eh bien, Dieu a été mal représenté. Et les gens ont pris la loi de l'Ancien Testament, sous laquelle Dieu disciplinait les gens. Je veux dire, durement, ils ont utilisé cela pour donner une mauvaise image de ce que Dieu est vraiment. Et c'est significatif pour moi, quand vous regardez à ces 6000 ans d'histoire humaine, et que vous voyez que pendant 4000 ans, au cours de ces 6000 ans, Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs péchés, il leur a montré sa grâce, et puis vous comprenez pourquoi il a donné la loi, et en fait c'est un acte de miséricorde qu'il a donné, et qu'il donne cette dureté et cette discipline, malgré tout. C'était pour limiter le péché et nous ôter cette tromperie de la propre justice, afin que nous désespérions de la propre justice et que nous en remettions la miséricorde de Dieu. Si vous comprenez ces choses correctement, je crois qu'elles vont vous donner une image différente de qui est Dieu, de qui et de ce que vraiment sa nature. C'est la raison pour laquelle je fais ressortir toutes ces choses. Dieu a utilisé ces choses pour m'aider. C'est vraiment puissant. Vous savez, j'ai déjà entendu des gens retourner en arrière et dire, eh bien Dieu, quand il est dit que Dieu a fait ces choses dans l'Ancien Testament et que Dieu a frappé cette personne de la lèpre et que Dieu a tué cette personne et il a tué le fils de David qui était né d'un mariage adultère et toutes ces choses-là. J'ai vu des gens qui, pour représenter Dieu comme un Dieu aimant, ont dit, c'est mal traduit, qu'en fait Dieu n'a pas provoqué cela, il l'a permis. Ce sont des péchés permissifs au lieu des péchés qui causent des choses. Et je comprends ce qu'ils essayent de faire, je comprends qu'ils essayent de dire qu'à cette époque dans laquelle nous vivons, Dieu ne frappe pas vos enfants. Ce n'est pas Dieu qui donne le cancer aux gens, ce n'est pas Dieu qui fait que votre mariage ne marche pas, que vos affaires ne marchent pas, et je suis d'accord avec ce qu'ils essayent de montrer. Ben, vous savez, j'ai étudié les Écritures, et je ne crois tout simplement pas que c'est ce que disent les Écritures. Ce n'est pas simplement que Dieu a permis cela, que ces choses arrivent. J'ai entendu même une fois un homme dire que Dieu n'avait pas détruit la terre par le déluge, qu'il a juste dit que la terre vomit ses habitants, et donc il disait que c'était la terre qui se révoltait contre le nombre de péchés, et que c'était en fait la terre qui s'était révoltée, et donc le déluge est venu et ces choses sont arrivées.
C'était juste une conséquence naturelle du péché, mais ce n'est pas une intervention divine. Mais vous savez, la personne, même si je suis d'accord avec ce qu'ils essayent de dire, à savoir que Dieu n'est pas celui qui crée les drames dans votre vie, je ne suis pas d'accord avec cela parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 6, elle dit « Moi et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre ». Le Seigneur a montré de façon très claire que ce n'était pas un événement naturel, c'était une intervention divine. Et donc quelqu'un a dit que ce qui est dit est juste ici montre bien que Dieu est un Dieu contrarié et en colère. Non, c'est une exception, et j'ai déjà expliqué cela. Je ne veux pas revenir en arrière pour expliquer cela. Mais la façon dont je vois tout cela, c'est que ces choses se passaient sous la loi. Ce n'étaient pas des bénédictions. Elles n'étaient pas données pour nous aider, c'est une malédiction, c'était le jugement de Dieu. Et la Bible dit ici dans Galates chapitre 3, dans le même contexte que celui dans lequel j'étais en train de lire, il est dit au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Et donc, quelqu'un dit, « Donc, vous croyez que c'est Dieu qui a frappé un Asia de la lèpre ?» Oui, je le crois. Eh bien, cela prouve que ce que vous dites, Dieu nous impute bien nos péchés. Non, cela prouve qu'il y a eu une période sous la loi pendant laquelle Dieu imputait aux hommes leurs péchés, mais je ne suis pas sous la loi. Ce n'était pas une bénédiction pour Ahazia. C'était une malédiction et Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Eh bien, est-ce que vous croyez que Dieu est celui qui a tué l'enfant de David? Oui, parce que la Bible dit qu'il l'a fait. Eh bien, cela prouve que Dieu est vraiment un Dieu, ce Dieu de colère. Non, c'était sous l'Ancien Testament où Dieu jugeait et imputait aux hommes leurs péchés. Et j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Eh bien, est-ce que vous croyez Deutéronome 28 qui dit que si vous faites ces choses au lieu des bénédictions, vous allez avoir toutes ces malédictions, les moisissures, les hémorroïdes et toutes ces choses? Oui, je le crois, que la Bible a dit cela. Mais vous savez, toutes ces choses faisaient partie de la malédiction de la loi. Et Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Je ne suis pas sous la loi. Christ m'a racheté. Et donc, toutes les malédictions sont parties, et maintenant les bénédictions viennent au travers de ma foi, et non sur la base de mes performances. Je peux prendre toute la dureté, la colère et le châtiment de Dieu et je peux les attribuer à l'ancienne alliance, toutes les choses qui sont arrivées dans le passé, à l'ancienne alliance. Il y aura un temps dans le futur où Dieu déversera sa colère quand viendra la seconde venue du Seigneur et jugera ses ennemis. Il ne jugera pas son peuple. La colère de Dieu ne viendra jamais sur son peuple. Mais maintenant, nous vivons l'époque de l'Église pendant laquelle Dieu ne donne pas aux gens ce qu'ils méritent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été prêché et la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean-Baptiste. Mais depuis ce temps-là, aujourd'hui, nous vivons sous la grâce de Dieu et Dieu n'impute pas aux hommes leurs péchés. Oui, je peux voir dans la Bible certaines choses qui montrent la dureté et la colère de Dieu, mais je peux dire « Dieu, merci Jésus, il a porté mon péché, je suis racheté de ses colères, je suis racheté de la malédiction de recevoir moi les malédictions à la place des bénédictions parce que j'ai failli et je vis une période de miséricorde et de grâce et c'est une bonne nouvelle. »